Donc aujourd'hui, on est jeudi et en se levant, Clara et Dylan nous ont fait une surprise. Ils nous ont préparé un bon petit déjeuner avec des jus de fruits pressés et des petits fruits comme ça. Voilà. Donc là, il est 7h45. Clara m'a fait mon brushing. Donc j'étais à la douche, elle m'a fait mon brushing. Ensuite, ben là, je vais les emmener à l'école, c'est l'heure. Je retourne à la maison pour me maquiller, ranger un peu la maison et je dois repartir car à 9h, j'ai un rendez-vous sur Colmar. Et après, je pense prendre un tout petit peu de temps pour moi. Donc voilà, je sais pas encore ce que je vais faire, mais cool, voilà. Donc sous mes dernières vidéos, vous êtes très nombreuses à me demander qu'est-ce que c'est mon mascara. Donc en ce moment, j'utilise donc mon recourbe-cils. Ensuite, je fais un petit mélange. J'utilise celui de chez Essence, celui-ci avec le bout orange là, vous voyez. Il y en a plusieurs chez Essence, mais moi j'utilise celui-ci en première couche. Et je vous montre après la deuxième couche. Donc je mets ma première couche et je vous montre ensuite ce que je fais. Donc voilà, pour l'instant, il y a la couche du mascara de chez Essence. Maintenant, je laisse sécher. Et je viens appliquer un mascara que j'avais trouvé sur AliExpress. Il s'appelle Nin. Attention, ce n'est pas NYX, hein, c'est Nin, mais il n'existe plus. Et je suis dégoûtée, je voulais le recommander. Et en fait, il est vendu par deux. Donc, d'abord, il faut mettre le petit. Voilà. Et ensuite, il faut mettre le grand mascara. Et celui-ci, franchement, il est magnifique. Donc là, il y a le mascara de chez Essence. Et là, je vais mettre donc la couche du petit et du grand que j'avais trouvé sur AliExpress. Il est vraiment trop bien. Je l'ai payé 3 euros et il me fait des longs cils. Il les recourbe, il les allonge, il les volumise. Il est trop bien et je le retrouve plus. Je suis dégoûtée. Et donc voilà, mon mascara est posé. Il est trop bien, j'aimerais tellement qu'il le ressorte. Je l'ai dans mon panier et il y a marqué indisponible sur AliExpress et dès qu'il sera disponible, j'en commande 3 boîtes pour le prix. Voilà. Donc là, maintenant, je pars à mon rendez-vous et je vous dis à tout à l'heure. Coucou, donc là, je suis sortie de mon rendez-vous. Je suis vite allée au cache-cache, regarder le pantalon, enfin l'essayer. Mais je réfléchis encore si je le veux ou pas. Je l'ai essayé, je sais comment il fait sur moi. Donc voilà, maintenant c'est bon. Je sais à quoi il ressemble. Si jamais j'en ai besoin, ben, je viendrai le chercher. Et si jamais ben, je l'oublie, ben, il sera oublié. Là, je suis passée chez Naturalia chercher de la sauge parce qu'il faut que je purifie mon intérieur. Donc il me fallait de la sauge. Et ensuite, j'ai pris des goutines. Sarrasin, cacao, noisette, là, pour le goûter, hein, comme son nom l'indique. Et ils sont vraiment délicieux. C'est des petites craquinettes fourrées au praliné. C'est trop bon. Et là, maintenant, on va chez Maison du Monde chercher les verres qu'il me faut et la bougie. Donc là, j'étais chez Action. J'ai acheté des semelles. Donc, 4 semelles comme ça. Donc, en moumoute, parce qu'il va vraiment faire un très grand froid. Donc, c'est de taille 20 à 45. Donc, il suffit de découper à la taille qu'on veut. Donc c'est à la moumoute, ça c'est très bien, c'est très chaud. J'en ai acheté des comme ça, assez durs. Ça c'est pour faire du bricolage avec. Ensuite chez Action, j'ai pris des lassages, des lacets, 150. Ensuite j'ai pris du Febreze, comme ça, pour les oreillers, brume d'oreiller. Ils sont trop bons, celui-là je l'avais en truc pour les prises. En senteur pour la maison, mais il n'existe plus. Je suis dégoûtée, il était trop bien. Et j'ai pris celui-ci chez Action, voilà. Ensuite, je suis passée à Naturalia. J'ai pris de la sauge pour purifier ma maison, donc voilà. Parce que j'ai reçu de quelqu'un un nouveau matelas. Et il faut purifier tout le temps. Il ne faut pas dormir dans l'énergie négative et tout ça des gens. Donc, à chaque fois que quelqu'un me donne un truc, je purifie. Voilà, parce qu'on ne sait jamais si c'est des personnes négatives. Voilà, c'est comme ça. Il faut purifier sa maison de temps en temps, surtout les objets où les gens passent du temps dedans. Voilà, donc pareil, si moi aussi je donne mon matelas à ma fille, par exemple, eh ben, je vais aussi le purifier parce que j'ai pas envie qu'elle prenne mon énergie à moi. C'est tout à fait normal pour moi de purifier, voilà, des choses. Un matelas, c'est quand même assez intime. Donc, on va pas dormir dans le lit de quelqu'un avant de l'avoir
purifié, remis à neuf, toutes les énergies, voilà. Donc c'est comme ça, voilà. Donc moi je vais purifier le matelas qu'on m'a donné pour enlever l'énergie négative et tout ça de la personne, etc. Et je vais purifier mon matelas aussi pour enlever les énergies négatives, voilà, de moi pour donner ça à ma fille. Donc on va faire un échange de matelas en fait, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai acheté de la sauge et il faut encore que j'aille chercher de l'eau bénite à l'église pour faire ma purification justement pour que tout redevienne bien. Ensuite j'étais à Cora et j'ai trouvé une housse de couette comme ça avec tête d'oreiller. Voilà. Avec les petits cœurs comme ça, c'est trop chou. Et celle-ci, donc 200 fois 200, je l'ai payée 12,90 €. Et ensuite, chez Maison du Monde, j'ai pris des verres flamant rose et un verre avec un ananas. Ils étaient à 2 euros pièce. Et j'ai pris des petites bougies qui sentent super bon. Voilà. Donc je les ai pris. J'hésitais entre celle-ci et celle-ci. Clara me disait celle-ci, moi je préférais celle-là. Et du coup, bah, j'ai pris les deux. Et j'en ai pris une en bonus, une petite comme ça pour dans ma chambre. Et là, dans la boîte aux lettres, j'ai reçu d'AliExpress mes petits œillets. Voilà, quand je veux faire des ceintures, j'ai la machine, au moins j'ai mes petits œillets. Donc voilà. Et maintenant, je vais me faire des raviolis. Coucou, donc là, au bout de 3 jours, mes pieds commencent à peler. On voit un tout petit peu là, au bout de 3 jours. Donc voilà, juste à ce niveau-là, rien d'autre. Voilà. C'est bon? Donc là, je suis allée chercher les enfants à l'école. Il est maintenant 5h30. On est vite repassé à la prise de sang car en fait, hier, Clara a été mal piquée. Il manquait des examens. Il fallait de nouveau refaire quelques examens parce que la prise de sang d'hier n'était pas très bonne. Elle avait un taux de je sais plus quoi trop élevé. Donc là, aujourd'hui, ils voulaient revérifier encore. Donc ils lui ont repris 2 flacons. Et là, elle a son petit pansement. Donc on est retourné aujourd'hui. Elle a les bras tout bleus à force de se faire piquer. Et du coup, elle a une prise de sang par mois à faire pendant 6 mois. Voilà. Et le traitement a commencé. Et voilà, là, il faut pas qu'elle oublie de le prendre. Les devoirs sont faits. Le sac est prêt pour demain. C'est bon, nickel. Ben là, on va faire à manger. Clara, elle veut m'essayer le coupe-fourche sur mes cheveux. Donc, je vais la laisser faire. Didouns, il n'a pas de devoirs. Enfin, il les a fait en études. Maintenant, il prend le petit goûter, hein, mon chéri? Et puis, voilà, on a cherché du Sanitol au Leclerc, vite fait. Parce que j'ai besoin de désinfecter le matelas, justement. Donc, j'ai pris le Sanitol désinfectant multi-usage, nettoie, assainit, sans rinçage. Voilà, testé dermatologiquement. Donc, voilà, je vais faire ça. Donc, il y a écrit que c'est pour les plans de travail, réfrigérateur, table, micro-ondes, lave-vaisselle, abattant de WC, lavabo, évier, douche, baignoire, siphon, mur, carrelé, matelas. Tapis, moquette, fauteuil, table, intérieur de voiture, coffre à linge, salle, univers de bébé, jouets, poubelle, paillasson, litière, téléphone, poignée de porte. Voilà. Donc il faut vaporiser le produit, laisser agir 5 minutes. Pour désinfecter en profondeur, laisser agir 15 minutes. Essuyer avec un chiffon propre, laisser sécher, renouveler l'opération régulièrement. Voilà. Donc ça, je vais faire sur le matelas. Voilà. Ah oui. Détruit 99% des bactéries, des champignons, des virus. Excellent. Donc il a l'air super bien ce produit. Donc il y avait plusieurs senteurs, citron, pamplemousse, eucalyptus et moi j'ai pris senteur pin de Méditerranée. Voilà. Ce matin, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai filmé que j'avais pris un petit gâteau. Ils étaient super bons et c'était la marque Gluten, je crois. Goutine, pardon, Goutine. Et en fait, au Leclerc, j'ai trouvé ceux-là. Donc à Cora, ils étaient plus chers qu'au Leclerc, forcément. Donc je suis passée au Leclerc les chercher, c'est presque pareil. Et ils sont trop délicieux, ces petites craquinettes cacao noisette, voilà. Mais je préfère quand même de la marque Goutine. Donc là, j'ai pendu le linge. J'ai désinfecté déjà une partie du matelas, je laisse bien agir et après je retourne le matelas et je fais de l'autre côté ainsi que les bords. Et pendant que j'ai pendu le linge, Clara est en train, pardon, de faire la quiche Lorraine. Et moi j'ai pendu mon linge un peu partout. Donc voilà, Miss Clara est en train de nous faire notre belle quiche Lorraine. Comment ça va? Et les médicaments à mes enfants, donc Dylan. Et après Clara, il faut qu'elle prenne aussi le sien. Coucou, donc là j'éclaire avec la lampe de poche de mon portable. Alors je lui ai fait 2 tresses retournées.
Retourne-toi, voilà. Je lui ai fait ses tresses africaines retournées, comme ça elle est toute belle pour demain. Et là, je filme parce qu'on est en train de faire une cabane et on va jouer comme si on était dans un camping-car. Voilà, on va jouer, on fait une cabane en fait avec le lit superposé et les couvertures, c'est trop bien. Et je suis trop contente parce que demain, il y a le carnaval de l'école et je pense que je serai déguisée en indienne peut-être. Oui. Je verrai ce que je vais faire, soit en indienne, soit en chat. Mais... Je pense en chat plutôt. J'aimerais bien être déguisée en chat que demain. Est-ce qu'on les lâche là? Tu sais là? Ah non, elle est rangée chérie. Ah, d'accord. Voilà. Donc là, on est bien. Voilà. Et on regarde Franklin à la télé. Je vais me mettre là pour que ça tienne. Stéphane a dit que la quiche à Clara était délicieuse. Donc les enfants n'aimaient pas la quiche. Donc Clara a fait une quiche pour moi et Stéphane. Et Clara et Dylan ont mangé une soupe vermicelle à la tomate. Clara adore cuisiner. Donc j'aime bien être à côté d'elle et tout. De toute façon, moi je fais le linge pendant qu'elle cuisine. On est toujours ensemble. On a fini la vaisselle et tout. Et puis tout était nickel là ce soir. Et voilà, Stéphane est au salon. Au salon, il joue un petit peu à l'ordi, décompresse. Moi, j'ai dit que mes pieds pèlent. Ouais, je crois que je l'ai dit avant que mes pieds pèlent. Et là, bah, nous, on joue un petit peu. Et voilà, demain, c'est déjà vendredi et c'est les vacances. Et on va faire plein de choses. Et on ira même à la neige. Peut-être. Oui, à la deuxième semaine, ouais, tonton, il a dit peut-être. On va à la neige. Parce qu'il va mettre les pneus neige, donc ce sera cool. Voilà. Et la première semaine, on va chez papy. Après, on va faire des choses avec des copines. On va à l'Oka Gonfle. On va s'occuper toute la semaine. Oui. Mais si on va dormir chez papy, je pourrai amener Dudu et ses affaires. Mais bien sûr, tu vas les emmener. Hein? Oui. Bien sûr qu'on va emmener des jeux et tout. Allez, on va jouer? Oui. Gros bisous, à très bientôt. Ciao.